Coucou. Alors, je cherchais un truc bien particulier et je l'ai trouvé sur le site de Dans mes pochettes. Voilà. Livraison ultra rapide. Voilà. J'allais dire j'ai jamais vu ça, mais si, j'ai déjà vu ça. Faut que je vous dise un truc. L'autre jour, fallait que ma mère l'avait oublié son un cordon quand elle est venue à la maison. Et on est allé à la poste. Parce qu'on a mis le cordon dans une lettre suivie, tout ça, ben bon, bref. Et on l'a posté le jeudi. Ouais, le jeudi vers 17h. Le lendemain, elle l'avait. Quand elle m'a dit j'ai reçu, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas du tout. Elle avait reçu. J'ouvre en même temps. Elle avait reçu l'envoi en suivi. Hallucinant. Donc oui, je cherchais un article bien particulier. Bah comme d'hab, moi je tape l'article, je fais sous Google, et puis après il me propose des trucs. Et après bah, je choisis, je regarde sur les différents sites et je vais sur le site qui m'intéresse. Alors, hop, voilà, ma commande, elle se résume à ça. Voilà, c'est une perfo. Voilà. Je cherchais une perfo bien particulière. Ah, ils sont grands, je les voyais pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Une perfo bien particulière et je l'ai trouvée. Elle coûte un bras, hein, je vous le dis. Mais bon, j'ai eu ma période là où j'avais envie de me faire plaisir. Et je me suis dit, j'ai envie de ça, je m'achète ça. C'est la perfo qui fait des trous de Memoredex. Voilà. Donc je me suis dit, mais oui, mais oui, mais oui. Parce que c'est sûr, j'ai mon dice pour faire. Il est où d'ailleurs? Pour faire les Memoredex. J'ai mon dice. Mais des fois, je me dis, pourquoi pas faire un truc avec les trous. Et comme le tuto que je vous avais fait, franchement, c'était pas terrible. Parce que les dimensions, c'était bon, mais c'était pas bon, patati patata. C'est pas une bonne idée en fait, voilà. Et je pense que ça va être beaucoup plus pratique. Et comme j'en ai quand même quelques-unes à faire, puisque j'en ai reçu quand même pas mal dans les courriers de maman, j'ai eu aussi parfois du courrier pour moi. Et je me suis dit, bah voilà. J'ai vu ça, j'ai vu passer ça, je sais plus où, quoi, comment. Et bah, une fois que j'ai. Enfin, je suis un peu. Je vais pas dire une capricieuse parce que c'est pas vrai. Mais des fois, je me dis, oh, j'ai vu ça, je le veux. Voilà. Bon, si je peux me l'acheter, je me l'achète. Si je peux pas me l'acheter, je ne me l'achète pas. C'était pas vraiment le bon moment pour l'acheter, je vous l'avoue. Mais. Je suis trop trop contente. En fait, j'essaye de l'ouvrir depuis tout à l'heure, mais je crois qu'il va falloir que je défonce le carton pour l'ouvrir. Hop. Mais des fois, il faut faire gaffe parce que des fois, ça coupe les petits trucs là. Allez, on défonce tout. C'est de la marque, je sais plus, je l'avais vu en fait. Heidi Swap. Ouais. C'est quand même une bonne marque. Hein. C'est quand même pas du caca. Hein. Et regardez, bon, je prends, j'ai une chute là. Premier test avec vous. Fastoche. Trop fastoche. Donc je pense que c'est un bon investissement. Il faut en faire quand même pas mal, hein, des Memoredex. 17 balles. Je crois, hein, que c'est ça. Et en. Oh, c'est quoi? Chaîne YouTube, découvrez. 1,75. Grâce à cette. Bénéficier d'une. Oh, je. Parrainer vos copines. Parrainer. Alors attendez, j'ai des petits mots comme ça, je suis en train de les lire. Alors, ils ont un blog. Voilà, je vous le montre. Voilà, bon, j'ai eu un avantage fidélité, donc c'est pas mal. Bon, pour ma commande, j'ai eu 1,75 € de fidélité. Il y a une chaîne YouTube, c'est Dans mes pochettes de scrap. Voilà. Et si je parraine mes copines, faites plaisir à vos copines et gagnez des bons de 5 euros. Commencez par parrainer vos amis. Oh bah écoutez,
On va mettre mon lien de parrainage en barre d'infos. Hein. Je sais pas du tout quel est mon code de parrainage, mais oui, pourquoi pas. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Le petit cadeau du colis. Au dos de cette carte, découvrez un petit cadeau, une planche de mots spécialement imaginée pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Signé Perrine. Ouais, c'est pas mal. Sympa. Franchement sympa. Je sais plus précisément si. Attendez, je suis un peu. Je découvre en même temps, donc voilà. J'avais envie de mots. Ouais, j'avais envie de mots parce que je me dis pour mettre sur mes. Je ne sais plus combien de réponses que j'ai à vous faire. Je suis contente hein, quand même. En même temps, ça me fait des projets. Enfin, ça m'occupe. Voilà. J'ai 65 cartes à faire. Réponse, courrier, enfin comme vous voulez. Et bah voilà pourquoi peut-être éventuellement j'ai pris ça. J'en mettrai probablement pas dans tous les courriers. Parce qu'il y en a, ils m'ont envoyé une petite ATC, un attestat. Bon bah voilà, je vais répondre. Je vais essayer de me souvenir qui m'a envoyé quoi. Bon, vous comment dire. Boudez pas si par exemple je vous envoie une ATC alors que vous m'avez envoyé une memory dex ou le contraire ou... parce qu'au bout d'un moment vous pouvez comprendre que j'ai noté sur mon cahier mais j'ai pas dû noter correctement. Bref, et en fouillant sur le site, mais il y a plein de choses hein, sur le site en fait, j'entendais parler de ce site là mais j'avais jamais vraiment été voir, et il y a pas mal de choses vraiment sympas, et notamment j'ai pris tout ça. Voilà, c'est des petites planches de mots de chez Zibuline. C'est des petits mots à découper. Et il me dit, bah, c'est parfait pour faire les créas. En plus, une planche, on va dire, une planche, c'est une couleur. Donc, on peut bien assortir. Alors, par exemple, les mots là, il y a lundi, rendez-vous, urgent, printemps, date à retenir, film à voir. Enfin, ça, c'est un peu... pour les planeurs hein, quand même. Ah ouais, il y avait planeur et carterie, j'ai pas fait gaffe. Ah merde. Ah oh bah ça va, j'ai pris quand même pas mal de choses pour la carterie. Ouais bah je ferai attention la prochaine fois. Ouais bah en fait planeur. Cela c'est plutôt pour les planeurs. Voilà. En fait c'est... Ah bah oui, j'avais pas fait gaffe. Je crois que c'était des mots différents. Bon, il y a marqué hiver, note, dimanche. Je peux faire une série. Oh, bah, il y a des. Oui. Non, mais je suis en train de réfléchir en même temps. Il y a des. Il y a des jours, il y a des mois. Je peux faire par exemple une série avec les 12 mois, une série avec les 7 jours. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Ouais. Et là, c'est spécial carterie. J'aurais dû prendre que des carteries, en fait. Mais je pense que si, un de ces quatre, si je refais une commande. Ce sera sûrement que de la carterie. J'aime beaucoup ce dégradé de couleur là. Et le noir et blanc, c'est du basique. Alors, il y a quoi comme mots? Suis tes rêves, passe une belle journée spécialement pour toi. Vois la vie en couleur, petits détails, parfum du bonheur. Le meilleur est à venir, rien que pour toi, parce que je t'aime. Bonne continuation entre amis, doux câlin. Ouais, ça c'est plus adapté. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Au pire... J'utilise les trucs et puis je peux glisser aussi une petite dans certains envois. Ouais, enfin bon, bref. Je suis en train de réfléchir tout haut, excusez-moi. Je suis en train de découvrir ma commande et je réfléchis tout haut. Donc, ça, ce n'est pas à perdre. Ça, ce n'est pas à perdre non plus. Ouais. J'avais ça, c'est pareil. Les petits mots, c'est quoi? C'est des trucs de planeur. Au coin du feu, sous la couette, le kiff. Ah ouais, non, ça c'est sympa aussi. Retrouver les copains, tranquille, prendre le temps. Jamais sans mon plaid. Vacances d'hiver en famille, nouvelle année, j'adore ma saison. Ouais, c'est pas mal. Session cocooning, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal quand même. Et ça, bah j'ai dû, je sais pas. Je me rappelais pas d'avoir commandé ça. Mais c'est pareil, c'est des mots. Voilà, je les voyais pas aussi grands. Et je me suis dit, allez, je fais le plein de mots. Mais j'ai pas fait gaffe aux planeurs. Donc si vous commandez, faites gaffe, il y a une série où c'est pour les planeurs. Et une série, c'est pour la carterie.
voilà, je sais pas si je vous ai montré, parce que j'ai pensé à vous montrer, mais je crois pas que je vous ai montré. Vous voyez, en haut là, il y a marqué carterie ou planeur. Voilà, ça doit être un peu flou, mais bon. Et là, ça, c'est le week-end, les meilleurs moments, j'y crois pas, printemps, incroyable, premier jour, bonne fête maman, juste entre nous. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Et bonjour le printemps, trop de la balle, génial, c'est le week-end, bonne fête maman. Bah, je suis bonne pour faire des cartes de bonne fête maman. Nous sommes tous de grands enfants, tentés de nouvelles expériences, uniques, petits détails, un matin chez nous, enfin bon, c'est pas mal du tout. Voilà. Je voulais faire aussi, ça pourrait être bien ça aussi, parce que, bon, le mois de janvier a été perturbé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et j'avais prévu fin 2019, je m'étais dit, en 2020, je vais prendre, vous savez, les gros cahiers, les gros, c'est pas des cahiers, c'est pas des cahiers. C'est comme des albums photos, mais c'est que du craft, vous voyez, qu'on peut faire une sorte d'art journal. Mais moi, vu que je fais pas de fond, de patouille et tout ça, ça sera un art journal à la coco. Et je voulais faire, ou une page par semaine, ou une page par mois, ou une page par événement. Enfin bon, quand j'aurai envie de faire une page, je voulais faire une page, mais suivre. Et comme ça, à la fin de l'année, j'aurai eu tout le suivi de mon mois. Voilà. Bon, je vais peut-être pas le commencer en janvier, parce que voilà. Et puisque de toute façon, janvier s'est passé. Et je pense que peut-être je vais commencer en février. Enfin, je sais pas. Enfin, en fait, je sais pas. Je ne sais pas. Bref, voilà pour ma petite commande. Donc, hâte de vous faire des tutos avec ça. De préparer mes petits papiers. De les décorer comme j'ai envie de les décorer. Et surtout, de pouvoir faire les trous pour faire des memory decks. Voilà. Je pense que il va y avoir une petite série de vidéos memory decks. Pour mes courriers, là, je vous ai dit, une soixantaine de courriers. Je pense que je vais faire des cartes, des séries de 10 cartes. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que, en toute honnêteté, je ne peux pas faire 65 cartes uniques. Enfin, elles seront uniques parce qu'il y aura toujours un petit détail de 10 différents, mais je ne pourrais pas faire 65 cartes personnalisé, voilà, c'est ça que je cherchais. Hop, alors attendez, j'ai ça. J'avais déjà fait une série d'envois, j'avais fait des cartes comme ça, je vous l'avais pas fait en tuto parce que franchement, elles sont plus que basiques, hein. Un fond, un mot, un stickers. Voilà, mais je trouve que ça fait son effet, vous savez, moi j'aime bien les choses simples. Donc je pense que je vais continuer sur ce genre d'idées. Voilà, des séries de 10 comme ça. Je suis pas sûre de les faire en tuto forcément, parce que je vois pas trop ce que je pourrais vous apprendre, hein. On prend un fond de carte, on découpe un peu plus petit, on colle un mot, on colle un stickers, enfin bon, mais pourquoi pas, enfin pour ou lors d'un blabla, ou enfin bon, bref, je ne sais pas. Je vous parle, mais je ne sais pas, c'est des infos sans être des infos. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir du courrier aussi, parce que j'ai encore tout ceci à ouvrir. Donc, je vous retrouve dans une autre vidéo. Oh, un quart d'heure pour montrer. Ah oui, elle est forte la coco. Hein. Un quart d'heure pour vous montrer quelques planches de stickers et une perfo quand même. Enfin bref. Donc, pour le parrainage, écoutez, je vous mets le lien en barre d'infos. Pourquoi pas, hein, voilà. Et et à mon avis, il y a des avantages pour vous et pour moi. Je pense que les 5 euros, c'est pour vous aussi. Parce que maintenant que j'y pense, oui, j'avais complètement oublié. J'ai commandé via un lien, un parrainage de. Mais c'est moi qui avais demandé qui a un lien de parrainage et tout ça. Et oui, moi j'ai oublié que j'avais fait ça. Et la première qui m'a répondu, Valérie. Elle a reçu un bon de 5 euros et moi aussi. Donc voilà, donc je pense qu'il y a 5 euros pour les deux. Donc c'est peut-être intéressant
d'aller faire un tour sur le site. Vous verrez, il y a plein de choses super sympas. Bon, moi, je me suis quand même un petit peu limitée, même si c'était pas le moment de commander ça. Mais j'avais très, très, très envie. Donc, des fois, je me dis... vous savez, quand on tire des sous, des fois, on a tiré 20 euros, c'est pas trop ce qu'on a à faire, un gâteau, un pain... un magazine, un truc, et bim, vos 20 euros, ils sont partis. Donc là, je me dis, bah, autant que ça serve. Ouais, raisonnement débile. Ou pas. Ou pas. Bon, allez, je vous laisse, parce que là, je commence à dire des grosses niaiseries. Je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vais ouvrir mon courrier, et après, je vous tourne des tutos. Nous sommes dimanche, et je vais profiter de cette journée pour m'avancer dans mes vidéos. Voilà. Je dis pas que je vais en faire une quarantaine de vidéos. Puis il faut que je m'avance surtout dans mes cartes aussi. Bah oui, qu'est-ce que tu racontes? Bon, je m'arrête ici, je dis des bêtises. Je suis en train de réfléchir tout haut. Je vous laisse. Bye bye. Bon, ça fait pas longtemps que je suis réveillée en fait.